Et bonjour à tous, aujourd'hui on a décidé de vous montrer notre recette d'aïoli. Donc l'aïoli est la pommade qui accompagne le plat traditionnel en Provence, le plat l'aïoli. Bien sûr pour l'aïoli l'essentiel c'est l'ail, donc on l'aime assez fort, donc on a prévu 4 à 5 gousses, donc ça c'est ajusté en fonction des goûts. J'ai pas de pouce, tu tapes un peu fort au début et après tu vas doucement. Il faut que ça fasse une pommade. Ah, c'est de l'ail sauvage. Il a sauté. Décidément. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu veux continuer? Comment ça va, là? Geneviève, d'avoir accepté de nous montrer sa façon de le faire et son tour de main. C'est mieux caché en fait. C'est mieux que... Ah oui! Tu vois? Il commence, tu vois comme ça se lève et quand tu mets l'huile, ça se lève pareil. Ah oui, il s'accroche sur les parois. Voilà. D'accord. Quand tu mets l'huile, ça s'accroche comme ça. Le sel aide à écraser. Oui, ouais. Ah oui. Voilà. D'accord. Oh, c'est bien. Alors là, comme on n'a plus la force, maintenant on prend le batteur. Oui. Voilà. La véritable aïoli, c'est comme ça, doucement. Doucement, doucement. Donc ça, c'était le moyen dans le temps de le monter donc directement au pilon dans le mortier, mais le plus simple c'est au batteur électrique. Alors on met dans le batteur la purée d'ail écrasée avec un peu de sel. Allez, vas-y, c'est bon, tu le mets. Ensuite voilà. Un jaune d'œuf très frais. Et l'étape suivante, c'est de fouetter avec les 25 centilitres d'huile. Et après, on verse l'huile tout doucement, vraiment doucement, pour que l'émulsion se fasse en continu. Vu le bruit du moteur, je répète les instructions, donc le moteur doit être réglé à vitesse constante, régulière, sans toucher la vitesse, et l'ajout de l'huile doit être aussi le plus régulier possible. Voilà.
Traditionnellement, Geneviève rajoute du citron. Ça aiderait à digérer. Environ une cuillère à soupe de citron pour 4 personnes. Et on complète par de la bonne huile d'olive. Et ça jusqu'à ce que la quantité nous paraisse suffisante. Geneviève dit toujours que pour réussir une bonne émulsion de type mayonnaise ou aioli, il faut qu'il y ait absolument aucune femme qui soit indisposée dans la pièce. C'est facile à faire en fait. Ben oui, c'est la patience qu'il faut. C'est le coup de main. L'aioli est terminé. Il ne reste plus qu'à faire cuire des légumes, du poisson, des œufs durs à notre goût, à notre convenance. Et après, il ne reste plus qu'à se régaler. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!